and I will read the Quran. Tate, who calls himself a misogynist, after Elon Musk became CEO of the company, his Twitter account was reinstated. The Tate brothers deny the allegations against them. This investigation is ongoing, and the four people will be under house arrest until July 29th. This is Inside Edition Digital. Yes! Allez, pars-toi, mec. Je charge. Avec mes nerfs, toi. Cliff draconique. Oh, putain, j'ai même pas récupéré d'armes sur une armure, putain. Quoi ça, sérieux, frérot? Putain. Ah, putain, je l'ai eu. Quelle classe. Quelle classe. Je l'ai eu de manière difficile quand même. Ah mais parce que là avant j'ai enchaîné comme un malade. Je sais pas combien de fois je l'ai fait pour l'avoir lui. C'est vrai que je l'ai bien eu avec mon épée. Hein. Super cette épée. L'épée ardente la famille. Ça y est, on arrive enfin. On rentre dans le côté le que je n'ai jamais vu du jeu. J'ai tout fait pour ne pas me spoiler. Bordel de Bordeaux. Il est derrière l'arbre. Il est derrière l'arbre. Putain, tu vois? J'ai bien fait d'aller fight celui-là. J'ai fait Radan, j'ai fait le serpent des dieux. J'ai fait des conneries comme ça, j'ai fait... Idar, j'ai failli l'avoir, j'ai failli les avoir les deux. J'ai déjà moi-même, hein, franchement. Donc, tout ça m'a quand même permis de monter en level. Hein. L'air de rien, bon. Un peu que dalle là, je vais augmenter un peu là. La lumière vite fait pour moi. Je regrette pas aujourd'hui. J'ai bien avancé sur Elden Ring. J'ai tué, la reine de la pleine lune là. Vraiment sympa. Là, on est en train de voir, de découvrir enfin le poteau rose. Un sentinelle, pour le passer c'est très dur. Très 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 dur la famille. Alors, je vais vous regarder la suite, je vais laisser regarder la suite, je vais couper le micro et laisser découvrir avec moi la suite. Je reviens sur le micro. Magnifique. C'est juste un truc de fou. Et quoi de plus? Les murs extérieurs là. Qui font penser à Demon's Souls quand vous commencez le jeu. Si moi, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça quand j'arrive là. Peut-être que c'est pas du tout le même style, mais c'est vrai, mais. Quand même. Pas la même taille. Les couleurs. C'est pas coloré comme Demon's Souls, mais voilà quoi. C'est vrai, j'ai 50 000 runes. Faut pas que je m'amuse à les perdre.
Si je vois un boss, de toute façon, je m'esquiverai. Aucun boss jusqu'ici. C'est vraiment de la découverte. En train de s'agrandir là. Comme à Orpamonde. Avec une entrée assez spéciale. Il m'ouvre le chemin vers évidemment de l'amélioration d'armes. Quand je parle de ça, je parle de pierre sombre plus 8, plus 9. En tout cas plus 7, plus 8 sur, plus 9 je sais plus, mais... Mais le dit qui dit pierre sombre dit amélioration d'armes, donc plus 15 plus 20, ce qui va me faciliter pour tuer les boss précédents que je n'ai pas encore tués. Mais voilà, le fait d'avoir passé la sentinelle permet quand même de découvrir autre chose que les mêmes boss et rester bloqué comme un con. Donc ouais, franchement, ça c'est cool. Franchement, je m'attendais pas du tout à tuer la sentinelle. C'est vrai que j'ai une arme sacrément cheat. Faut dire les choses. Mais il y avait aussi mon skill et j'ai eu pas mal d'esquives. Faut dire que le jeu, à la base, même le jeu est cheat. Donc si vous cheatez, en réalité, c'est pas très grave. Bon, je pense sincèrement. C'est mon avis personnel. Je le donne maintenant. Vous en faites ce que vous en voulez. Mais ne mélangeons plus Dark Souls et Elden Ring. Puisque ce ne sont pas du tout les mêmes jeux. Et pour gagner, il faut... beaucoup l'ont pas fait, afficher leur cheat et leur machin. Mais la vérité, c'est que... difficile de combattre ces boss sans passer par ça. Un minimum. Minimum amélioration. Je dis pas qu'il faut être un tricheur. Hein, mais je dis... s'ils ont fait des armes aussi puissantes, à mon avis, c'est pour s'en servir. Alors moi aussi, au départ, j'avais cette idée-là. Waouh, putain. Moi aussi, j'avais cette idée-là que Elden Ring, pas bien, tu cheats et tout, et tout, et tout. Mais vraiment, il y a des moments où tu te retrouves vraiment dans la merde dans le jeu et... je pense que le jeu veut que tu te retrouves dans des situations de galère au point où tu dois utiliser la magie, tout ça. Je suis vraiment quelqu'un de corps à corps. Au final, moi, le boss, je l'ai fait à pied. Ça, c'est une force. Quand même. C'est d'avancer dans le jeu. Moi, j'adore. En tout cas, putain de design. Ça, le jeu, il est top du top. D'accord. J'ai 50 000, bon, ouais, j'ai peur de les perdre, franchement. Pour me donner de la vie, c'est ça en plus le truc. Je vais revenir un petit peu en arrière. On va se monter les levels, surtout qu'on peut le faire. On peut se monter les levels, et ben franchement, GG. Ok. Un peu du Dark Souls 3 au niveau des designs. Hein. C'est juste le reste qui n'est pas pareil quoi. Finalement je trouve. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle fait là? De convertir les runes en force. Merci. GG. C'est vraiment belle ce personnage, j'aime bien. La problématique, c'est pas ça le problème. Comme j'ai dit, moi, c'est plutôt les larmes que j'ai pas encore trouvées. Toujours pas de fiole. Toujours pas. Ah. On n'a pas de larme de vie, tu vois. C'est ça qui fait que je peux pas améliorer mes fioles.
Genre quand j'aurai les larmes. Vous allez voir que ça va pas être pareil. Parce que là, même si je mets 1, 2, 3 là de ce côté, je ne peux pas en fait mettre mes PC. Je m'en étais même pas rendu compte. Un truc de fou quand même. Comme le jeu ne t'offre rien, quoi. Tu dois tout faire tout seul, te démerder, tu sais plus à la fin. J'ai une rune 6. Mon stock, je peux pas aller dedans. Ah oui, si. Donc on va récupérer. Hein. On va récupérer les runes. Et ouais, voilà, je vais monter en PV. Et puis il n'y a plus en esprit, on verra après. On verra après la famille. Bon, on va arrêter cette vidéo parce qu'elle est, à mon avis, déjà très longue. Et j'ai peur qu'après elle. Qu'après elle se coupe. Du coup, je vais arrêter là la famille. Je vais juste me montrer un tout petit peu avant que ça coupe. Mais ça coupe. Donc juste, on va regarder ma life. Ah oh ouais, c'est bien monté quand même. Ah ouais, il suffit de peu pour monter haut en fait. Bon, là, mon perso devient fort. Bon, un de ces quatre quand même trouverait meilleure arme. Même si je la trouve bien et tout. J'ai envie de trouver du. Ouais, j'aimerais bien trouver une arme de corps à corps, une grosse, comme à l'époque dans Dark Souls 3. Ouais, ils sont spéciaux. J'aimerais trouver une arme un peu celle que j'avais utilisée pour terminer Dark Souls 3. Ouh, rune 10. On va se mettre bien, on va se mettre bien.
Putain, il m'a fait perdre 10 000. Dommage. Le con. Une zone compliquée un peu. Bon, de toute manière, je vais m'arrêter là et je vous ferai une nouvelle vidéo sûrement pour la suite. Bon, vous avez vu à quoi ça ressemble derrière la sentinelle de l'arbre. Je pense beaucoup envie de voir, même ceux qui n'auraient pas vu. Ceux qui ont vu, bah écoutez, je peux rien vous dire d'autre, parce que c'est vrai que ça fait quand même un an que le jeu est sorti. Je peux comprendre que vous avez déjà tout vu. Mais moi, personnellement, je découvre. Donc je me suis pas spoil et tout. C'est vrai que j'ai dû voir quelque chose, j'ai dû voir des trucs. Et voilà, quand j'ai vu qu'on pouvait traverser, qu'il y avait un arbre remonte derrière, je voulais pas me spoiler. Pour moi, c'était important. Du coup, voilà. Je vous embrasse. On se dit à la prochaine. Épisode 12, merci à tous. On se dit à la prochaine pour l'épisode 13. Big up. Salut.